Même pas peur. C'est la devise que David Muller affiche sans complexe dans les rues de Sosheim, petite ville de la banlieue de Mulhouse. Même pas peur, c'est aussi une ligne de conduite dans la vie pour ce champion sans couronne et sans emploi qui a tout sacrifié pour ses passions, la lutte et l'éducation des enfants. Bon entraînement tout à l'heure. Les grands, vous vous occupez des petits, vous vous aidez à les changer s'il vous plaît. Et dans 5 minutes sur le tapis pour l'entraînement. Chez les Muller, on est lutteur de père en fils. David assure la relève auprès d'un groupe d'une cinquantaine de gamins de 4 à 16 ans qui constituent l'équipe des Même pas peur de Sosheim. En plus des entraînements, il accompagne les enfants dans les tournois à travers la France, la Suisse, l'Allemagne. Un job à plein temps, mais non payé. Un dévouement qui force le respect. Si un jour, il y a un lutteur qui doit être supra bon, il sera supra bon, mais on vient, on s'amuse, on s'éclate. Et ici, il n'est même pas peur, on est là pour s'amuser, donc ils viennent juste tout simplement pour se défouler et après ils accrochent tout seuls. L'Alsace est une terre de lutteurs. C'est dans cette région de France que l'on compte le plus grand nombre de licenciés. À Sosheim, l'apprentissage commence dès l'âge de 4 ans. Il y a l'arraché. C'est quand t'es à quatre pattes et tu dois le soulever. Ah, moi, je suis pas un champion. Le champion, c'est David. Chaque week-end, il traverse la frontière pour aller combattre en Allemagne. Il est le seul étranger de l'équipe de Weitenau, un village de 300 habitants niché au pied de la forêt noire. Ici, la lutte est une religion. Chaque week-end, dans une ambiance de kermesse, les lutteurs remplissent les salles. Les matchs du championnat de 3e division se disputent en 3 manches gagnantes, dans une ferveur indescriptible. C'est au tour de David de rentrer dans l'arène, même pas peur. Son combat est décisif pour l'accession en 2e division. Après 12 ans de carrière, le Français compte plus de 200 matchs en Bundesliga. En moins de 5 minutes, il terrasse son adversaire. Une victoire pleine de panache qui permet à son équipe d'arracher la première place du classement. À Weitenau, David Muller est un héros. J'ai pas eu l'opportunité aux Jeux Olympiques. C'est un rêve de tout sportif de haut niveau. Mais quand je vois ça, moi, c'est mes Jeux Olympiques à moi, quoi. Quand on voit l'ambiance, on voit les gamins, on voit le public. Prendre du plaisir, c'est extra, il n'y a pas de mots, franchement, c'est le paradis ici, c'est le paradis, c'est mon paradis à moi. Champion anonyme, David Muller partage sa joie avec les filles de son club, les Girl Papers. Il est minuit passé, la fête bat son plein dans le village. Dans le sud de l'Allemagne, on a fêté Noël, bien avant l'heure.